Salut tout le monde, ici c'est Floffy, j'espère que vous allez tous bien. Pour ma part, ça va nickel comme d'habitude, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, voire même une nouvelle série de vidéos, parce que il n'y a pas très longtemps, j'ai découvert à la fois sur YouTube, à la fois sur Twitch, à la fois sur plein d'autres trucs, les tier lists. Donc les tier lists, qu'est-ce que c'est? C'est une sorte de top, en gros, vis-à-vis de plein de domaines différents. Ça peut être, par exemple, là c'est du Pokémon, là ça peut être du League of Legends sur les personnages, ça peut être sur des mangas, des animes, des séries, je sais pas, j'ai pas non plus fait le tour du site, mais je me suis dit que ça pourrait être pas mal de refaire ça histoire de reprendre un nouveau concept de vidéo, étant donné que normalement les vidéos devraient reprendre, puisque normalement vous avez eu Pokémon Revolution Online vendredi, si j'ai pas fait de bêtises dans le tournage, enfin dans la publication. Et puis c'est tout. Donc voilà, je pense faire ce nouveau format pour remplacer le dimanche. Parce que ce ne sont pas des vidéos compliquées à monter, ni trop. Désolé, il y a un peu de bruit. Ni trop complexes. Contrairement à Pokémon Revolution Line, il prend quasiment 2 heures de montage à chaque fois. Et encore, j'essaye de faire au mieux. C'est pour ça que je n'avais pas trop le temps d'en faire. Donc, pour commencer cette nouvelle, entre guillemets, petite série de vidéos, quoi de mieux que faire une tier list sur les plus jolie fille de Pokémon, tout simplement, hein. C'est la vidéo la plus vue de ma chaîne, et je me suis dit que pourquoi pas faire un espèce de truc entre guillemets putaclic, même si c'est pas putaclic puisque c'est vraiment ce que je fais, mais histoire de reprendre un peu le même concept, et ensuite on dérivera sur d'autres types de tier list. Ça peut être sur les types de Pokémon, ça peut être sur les starters, ça peut être sur les générations, voilà, plein d'autres idées. Sur ce, on va commencer. Donc déjà, on va un peu faire nos catégories. Est-ce que j'en ai besoin d'autant? Est-ce que j'ai besoin de catégories? Espèce, qu'est-ce que ça va être? On va dire. Bon, déjà, F, on va mettre entre guillemets interdit. Pas interdit, mais. Non. Juste non. Voilà, je pense que c'est assez clair. Là, on va mettre un petit cœur. Là, on va mettre. Je sais pas si je mets ça. Dans le sens où. On va mettre ça. Parfait. Puis après, bon, vous voyez à peu près le délire, hein, en gros. On va mettre un truc pour le moyen, genre. Pas intéressé. Donc, en quoi va être fait ce classement? Ça va être à la fois sur la personnalité du personnage, tout simplement, sur sa personnalité, sur. Je suis à peu près de la caméra, excusez-moi. Sur sa personnalité, sur son apparence, sur plein de petits critères, on verra ça tout au long du truc. Oui, j'ai testé aussi un nouveau type de caméra, enfin de caméra, ça fait un peu, entre guillemets, streamer, sauf que je suis à peu près. Oui, ce serait mieux là. Après, si je suis loin de ma table, c'est chiant. Après, vous pouvez voir ici, là, voilà, c'est un peu encore hasardeux, c'est parce que j'ai un fond blanc et que le blanc sur du blanc, c'est pas ouf. Voilà, même ici, voilà, là, il y a. Enfin, bref. Sur ce, on commence. Alors, déjà, je les connais, enfin, je sais que. Voilà, il y a tout ça. Il y en a qui ne me disent pas plus de choses que ça, genre ça, je sais même pas les différencier. Hein, donc, là, on a Margie. Margie, c'est du type spec. Bon, elle a une personnalité un petit peu atypique, un peu perchée. Après, niveau apparence, ça va, elle est pas moche. On va mettre pas intéressé. Agatha, non. Déjà, ça, non, juste non. Déjà, je peux te mettre là aussi, toi. Vraiment pas. En vrai, là, j'ai juste une nana avec un robot. Avec un masque. On va mettre là-dessus parce que vraiment je ne vois pas du tout. Je sais même plus son nom. Enfin, elles ont des noms compliqués. Je sais plus trop. Bianca. Alors Bianca de Black and White 2, avec les lunettes, donc un peu plus âgée. Moi je dis oui, B. Je te mets une note de B. Parce que bon, t'es un peu sotte des fois. Mais voilà. J'ai pas non plus trop d'arguments, je vais pas faire non plus trop d'arguments pour toutes, parce que sinon la vidéo va durer quoi, 50 minutes? Voilà, et ce n'est pas vraiment ce qu'on souhaite.
Claire, bien qu'elle soit Mimi, j'ai envie de dire c'est interdit parce qu'elle est très jeune quand même. Mais comme elle est mignonne et gentille, elle a une gentille personnalité et tout, on va la mettre là. Mais vraiment, non, c'est pas autorisé. Toi avec tes cheveux verts, bah en vrai, j'aime bien le vert. Voilà, j'ai pas plus d'arguments. On va te mettre là avec tes collègues. Comment s'appelle celle-là? Je sais même plus son nom. Persilla, je crois. En vrai, vraiment pas. En vrai, elle est pas méchante. Allez, ouais, je la mettrais plus là. Je suis pas intéressé, mais. Ouais, c'est vrai. J'arrive même pas à classer les autres. J'ai l'impression que je pense que j'ai une catégorie de trop. Mais comme c'est les catégories de base, je vais laisser comme ça. Il n'y a pas de souci. Gladys de Sinnoh. Gladys. Bon, bah, qui est une championne d'art de type glace. Dans l'animé, on voit qu'elle est quand même assez joyeuse. J'aime bien. Après, je la mettrai avec Bianca quand même. Non, c'est forcément. What? Non. Oui, moi je peux te mettre là. C'est pas là. Je ne sais même pas comment c'est rangé par ordre alphabétique. Non, c'est pas. Bah si, il y a Bianca. Gladys, mais non, c'est Gladys. Je vois Cassidy et tout. Ouais, et puis Agatha, parce que je sais pas, Agatha, Claire, bon, enfin, bref. Cassidy, non, pas intéressé. Voilà, sans plus. Pas plus mes jambes, c'est chaud. Pareil, toi, on va te mettre avec tes camarades, parce que je connais pas du tout ton nom. Oh, j'ai plus son nom, putain, en plus, je la connais bien. Je l'aime bien en plus. Elle, je la mets dans A. Comment elle s'appelle? C'est la dresseuse de Levenard. Ah, j'ai plus son nom. Ah, ça me stresse. Je vais en oublier des noms. Hein. J'en vois déjà, j'ai plus les noms. Mais en tout cas, je sais pas, j'aime bien cette personnalité, gentille et tout. Sandra, donc femme un peu vénère hein, quand même. Hein. C'est un peu la femme brute. Celle qui veut pas te donner ton badge en plus. On va la mettre où? En vrai, je la mets là, je m'en fous un peu de sa gueule. Pas vraiment plus d'attirance que ça. Purée, mais j'arrive pas à régler la caméra. En plus, mon écran est plus haut que d'habitude, donc la caméra est plus haute, donc si je m'assois un peu comme ça, ben, c'est chiant. Enfin bref. Toi, je vais te mettre dans A. J'ai plus en la team Magma, j'aime beaucoup sa dévolution, sa dévotion pour Max. Et puis voilà, elle est charmante, elle est jolie. Voilà, j'ai pas vraiment d'argument. En même temps, c'est un peu moyen de repartir sur un top là-dessus. J'ai l'impression de passer pour un gros pervers en fait. J'ai pas de mots. J'ai pas de mots. Bon, c'est la reprise, hein. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, donc c'est normal que je perde un peu mes mots. Mais bon, je vais essayer de reprendre les let's play et tout, puis je vais essayer de m'habituer à ce nouveau format. Cynthia. Bah Cynthia, hein, tout simplement, que dire, c'est une championne, elle est belle, elle est forte et tout. Toi, je sais même pas qui tu es. Je sais pas qui tu es, nom de Dieu. On va mettre ici. Inconnu au bataillon. On va mettre un truc ici. Ici, c'est vraiment. Non, merci. Voilà. Donc toi, inconnu au bataillon. Je sais pas, j'arrive même pas à me rappeler ta tête. Enfin, ça se trouve c'est une championne d'arène, je m'en souviens pas du tout. Après, j'ai pas non plus beaucoup joué à. Merde, à XY. Pas assez, enfin, je crois que j'ai même pas fini le jeu, c'est pour dire. Enfin voilà. Aurore, enfin. Aurore, bah c'est Aurore, hein, tout simplement. Si vous connaissez mon top, vous savez qu'elle est assez haut dans le classement. Dianthea, championne, mais pas au même rang que Cynthia. Après, je l'aime un peu moins, elle. Je sais pas, je la trouve un peu plus. Enfin, moins importante, déjà. Alors que c'est quand même une championne. Mais je sais pas, elle me paraît un peu plus. Plus, comment dire? Plus monotone, je pense. Toi, j'ai plus ton nom non plus, mais c'est non déjà. Inésia.
Nésia, bah oui, Nésia, t'es très jolie, Nésia, je te mets là. Erika, la fameuse Erika, dresseuse de type plante, pareil, je peux mettre ici. J'ai oublié tellement de noms, mais en tout cas, je sais que tu viens ici. Chimera, femme quand même assez âgée, on va dire. Mon darling, j'aime beaucoup sa façon de parler, je la mets avec quelqu'un. Vraiment parce que j'ai pas d'avis. Elle est bien, mais sans plus. Ariane, ici. Ici. Je suis pour la combattante et tout, j'aime beaucoup. En vrai, ouais, je pense que là, il y a très peu de différence entre ça et ça. Parce que parfaite et ça, là, ça veut carrément dire épouse-moi. Et je sais même pas s'il y en a une là-dedans. Déjà, enfin, elles sont en double en plus. What the fuck? Genre, ça s'arrête. Mais what? Pourquoi il y en a en double? Bon, bref, on s'en fout. Celles qui sont en double, on les mettra pas, c'est pas grave. Flo. Bah moi je te mets ici parce que c'est une de mes championnes préférées. Sinon, type plante, elle s'appelle à peu près comme moi, donc voilà. Toi c'est Glacia, si je dis pas de bêtises, Glacia pas intéressant. Poli, bon merci, j'aime pas du tout ça. Autant le personnage il est bien, mais voilà, c'est pas dans mes goûts non plus. Comment elle s'appelle ça? J'en ai aucune idée, mais je te mets ici. Iris. Bah, Iris, je l'aime bien. Je l'aime au même rang que Bianca et tout. Pareil, je te mets là. C'est quoi? C'est Jasmine, toi? Non, c'est pas Jasmine. Comment ça s'appelle? Merde. Oh, c'est grave. Oh, c'est grave. Faut vraiment que je parle. Ils pourraient mettre les noms, en fait, quand tu cliques dessus. En tout cas, pas intéressé. Je sais pas, j'aime pas le style ninja et tout comme ça. J'ai mal fait. Toi, je te mets ici. Si c'est Jasmine. Oh putain, j'ai perdu. Je suis en train de mélanger tous les noms. Bref, on s'en fout. Jessie, ça dégage. Non, merci. Professeur Keteleria. Hop, je te mets ici. Parce que. Je sais pas. C'est un des professeurs que je kiffe le plus. Enfin, c'est la seule féminine en plus. Donc. Sauf le professeur des îles Orange, mais voilà. Pas vraiment plus d'a priori que ça dessus. Alors, toi, c'est quoi? Non, c'est Jupiter. J'allais dire Mars, mais non, c'est l'autre. Jupiter, non merci. Tu me connaisses. J'ai pas de. Toi, hop, je te mets ici, j'ai oublié ton nom, excuse-moi. Marion, ici, allez. Parce que. Ah, purée, mais j'oublie tous les noms alors que je l'adore, elle m'adresse aux Lucario. On va te mettre là aussi. Célesta. Oui, je crois que c'est bien, c'est le bon artwork. Célesta. Pareil, je te mets là, niveau A. Les filles. Si on s'en tire au contexte, elle est très jeune, donc bon, merci. Voilà. Leaf. Leaf. Ici. Le gros coup de cœur de la première génération. Aloé. J'aime beaucoup ce personnage. Vraiment fort et charismatique, tu vois, c'est là. Mais voilà, je suis pas non plus intéressé non plus. C'est une daronne, faut pas oublier. Lily. Oh. En vrai, Lily, je la mets là. Mais dans ce cas-là, il y a Leaf aussi. Ouais, en vrai, ça marche bien, parce que là, c'est vraiment les gros coups de cœur. Ouais, je vais faire comme ça, c'est pas mal. Comment tu t'appelles? J'ai oublié ton nom aussi. Si je devais faire une case où j'ai oublié ton nom, mais il y en aurait déjà pas mal. Mais en tout cas, tu vas là-haut. Ah, c'est. Purée, mais j'ai plus son nom. Oh, les jumeaux d'Alcacia, j'ai même plus son nom. En tout cas, je te mets niveau P. Olga. Merci. Elzamina. En vrai, je la mets ici. J'aime bien Elzamina, je sais pas. Enfin, par rapport à dans le jeu, en tout cas quand j'ai joué à Soleil et Lune, le personnage, niveau personnalité, bon, c'est une personnalité qui fait que tu l'aimes pas, mais je sais pas, elle a quand même un flow, elle a quand même un.
un style. Merde, c'est pas Célestin, ça, du coup, si elle est là. Oh, je sais plus. En tout cas, toi, tu viens ici. Toi, tu as les petits collègues robots, là, je sais pas qui t'es. Barbara. Donc, Barbara, c'est ma préférée de. Enfin, hors Lily. Je te mets là. J'ai plus ton nom non plus, mais en tout cas, bon, merci. Pas intéressé. J'ai oublié ton nom, excuse-moi. Ça, c'est Mars. Mars, je l'aime bien. Elle est gentille. Enfin, elle est dans le clan des méchants. Je sais pas, je trouve que c'est la plus gentille de toutes. Mélina. Mélina. Elle est gentille, mais sans plus. Flora, dans le top aussi. Alors, toi, non. Non, merci. Merde, comment ça s'appelle? C'est pas. Non, c'est pas. Non, c'est pas ça. Au lieu de dire une connerie, bah je. Oui, mais elle est pas inconnue parce que je vois qui c'est, mais. Grand B, tiens. Ondine, hop, coup de cœur direct. Alors toi, je sais pas qui t'es non plus, excusez-moi, mais oh putain. Le visage me dit rien. En fait, c'est des. Même ça me dit rien. Et pour tout. Bon, sinon, les trois. En fait, elles sont ensemble, vu les dégaines, elles sont ensemble, mais je sais pas du tout d'où ça vient. J'en ai aucune foutue idée. Non, c'est pas bon, merci, c'est pas intéressé. Merde, je. Ah, putain, c'est celle de l'épreuve de type roche, là. Astera, je crois qu'elle s'appelle, non merci. Je pose pas le même délire que moi. Ah, mais par contre, ça c'est chiant. Spectra, très jolie, très gentille, j'aime bien. Toi, ici. Ouais, c'est chiant ça. Roxane. Roxane. Bon, ah, Strykina, pas intéressé. C'est pas mon délire. Morgane. Bon, on va aller ici. Serena, ici. Shanna. Bon, avec Serena. Franchement, les deux, enfin, j'aime bien. J'oublie tous les noms. Merde. Après, c'est pas les persos que je retiens plus facilement. Mais en tout cas, ici. Ça, c'est la lieutenant du commandant Archie. J'ai plus son nom non plus. Excusez-moi, vraiment. Ici. C'était pas mal non plus, il faut le dire. Carolina. En vrai. Hop là, ici, derrière. Comme ça, je reconnais l'ordre. Toi, par contre, c'est, je me souviens de toi, je t'adore. Ça, c'est la championne d'arène de l'insecte. Blanche, ici. Alizée, ici. Alors, ça, on a déjà mis. Ça, on a déjà mis. Toi, ici. En vrai, oui. C'est les deux sœurs. Hein. Toi, on a déjà mis. Toi, on a déjà mis. Déjà mis, déjà mis, déjà mis, déjà mis, déjà mis. Ici. Qui c'est qu'on a pas mis? Non, mais en fait, c'est que double. Non, il y a toi. C'est. Oh merde, c'est épisode Delta. Épisode Delta, alors merde. Épisode Delta, moi je te mets ici. Merde. Parce que j'avais vraiment kiffé ton personnage. J'étais où? Je sais plus. J'étais par là, je crois. Et je crois que c'est tout. Je sais pas pourquoi ils sont doubles. Ça, c'est un peu mal foutu. C'est très très mal foutu. Parce que je vais pas me refaire un classement en double. Je vérifie quand même une dernière fois. Est-ce qu'ils y sont toutes? Bon. Bah, du coup, vous avez mon classement. Je pense qu'on est pas mal. Qu'est-ce que c'est que ça? On n'a pas regardé ce que c'est que ça. Ah oui, d'accord. Ah oui, je pouvais bien supprimer une catégorie. Donc si je devais supprimer une catégorie, parce que celle-là, elle sert à rien. Franchement, les trois, je les mets en 1. Parce que des styles très différents, ils sont. J'aime bien. Faut que je me renseigne sur qui c'est, parce que je me souviens pas. Donc, hop, delete. Non merci. Non, juste non. Voilà. Donc, en gros, mes coups de cœur sont vraiment Leaf, Lily, Ondine,
Ça, c'est vraiment les trois que je préfère. Après, c'est vrai que dans mon top, j'avais mis Serena. Je viens d'y réfléchir, j'avais mis Serena première. Bon, je vais au moins la remonter. Parce que ouais, sinon, c'est pas du tout cohérent. Une finale, ça, c'est Serena avant et Serena après. Les cheveux courts et tout, c'est vraiment pas la même. Donc, ouais, je vais la mettre ici. Hop. On va pas faire tomber ça. Ensuite, bah, on a Cynthia, Flo. J'ai oublié ton nom. Je crois que c'est elle, Jasmine. Ouais, c'est Jasmine. Toi, j'ai oublié ton nom. Flora, j'ai oublié ton nom. Blanche, Alizée. Par contre, toi, j'ai ton nom sur le bout de la langue. Enfin, ouais, et Serena. Puis après, bah, voilà. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce vert, un petit commentaire, enfin un pouce bleu parce que les pouces verts ça n'existe plus, c'est vrai. On m'a fait la remarque une fois. Un commentaire, à partager, à vous abonner, ça me fera super plaisir. Et on se retrouve dimanche prochain, je pense. Ça, on va voir si je vais tenir le planning. Pour un autre top tiers. Ça va être, je sais pas sur quoi. Ça peut... Je pense que je vais faire sur la. Ça va être quoi? Sur la génération 1? Allez, on va faire ça. Un top tier sur la génération 1. Donc voilà, sur ce, à la semaine prochaine. Ciao!